Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintet. On est de retour sur l'hippodrome de Vincennes ce mardi 16 janvier après un crochet par l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, le ping-pong qui va continuer un mercredi, on retrouvera l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, on alterne un petit peu trop galop avec ce mardi une course intéressante, hein, le prix de Brionne qui sera support de Quintet Plus. Une compétition réservée à des concurrents âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros. On a un lot qui est très intéressant, hein. C'est une course européenne qui a réuni 15 concurrents, donc 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours classique, une épreuve qui est prévue bien entendu à 13h55, c'est la première course de la Réunion 1. Avec pas mal d'étrangers au départ, hein. Vous allez le voir sur le tableau, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quasiment, même plus que les deux tiers du peloton qui est composé d'étrangers. Donc voilà, c'est jamais évident de pouvoir tous les situer, d'autant que certains débutent sur notre sol ou alors n'ont pas beaucoup de références sur la piste de Vincennes. Donc ça reste assez délicat. Du moins pour les places. Je pense vraiment qu'on a des chevaux qui présentent de nombreuses garanties, notamment du côté des Français pour les premières places. Et c'est à eux que j'ai fait confiance pour le coup avec le numéro 10 Impérial Mabon qui vient vraiment de remontrer le bout du nez d'une très très belle manière. Il a terminé 4e dans un très bon lot en dernier lieu. Et c'est vrai qu'il était déféré des 4 pieds cette fois-ci, enfin, lors de cette sortie. Et voilà, on voyait qu'après 3 parcours dans les jambes, il était proche de son meilleur niveau. Je suis sûr que cette vraie course lui a également fait le plus grand bien. L'engagement est favorable, il est de nouveau déféré des 4 pieds. Eric Raffin, qui le connaît bien, vraiment, j'aime beaucoup ce concurrent. Je pense qu'il va vraiment réaliser une deuxième partie d'hiver extraordinaire. Et je pense même qu'il est capable de réaliser une très belle année, de monter largement en gain. En tout cas, c'est un super cheval. Il retrouve le parcours en plus sur lequel il s'était imposé lors de son dernier succès en fin d'hiver dernier. Pour moi, il a tout pour plaire. Et c'est vrai que s'il arrive à emmener sa grande carcasse et à avoir un meilleur parcours que la dernière fois, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Indy de Gire. Je l'aime beaucoup, hein, celui-là aussi. Il a vraiment franchi un palier cet été, réalisant de très belles performances, notamment du côté d'Anguin. Ces deux dernières sorties ont eu lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Elles se sont très bien déroulées, puisqu'il a terminé à chaque fois deuxième. D'ailleurs, il y a une course référence, hein, le prix général du Pomo, où il devançait notamment Donizetti et également Cool Chronos. Donc, un lot à peu près similaire, il est dans sa catégorie, il est bien engagé, le parcours n'a aucun secret pour lui, il n'a pas besoin d'être déféré pour réaliser des bonnes performances. C'est un cheval qui se montre vraiment très performant en étant avec ses chaussures. Benjamin Rochard, c'est un homme en grande forme, il vient de remporter la dernière épreuve qualificative pour le prix d'Amérique avec Isoar Vedake. Donc voilà, j'aime beaucoup le tandem et je pense vraiment qu'avec un tel engagement, il est logiquement compétitif pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 13, Donizetti, hein, qui a très bien couru en dernier lieu dans la course référence. Il a fourni une belle fin de course, il a été au centre d'une enquête, hein, sur ses allures, mais franchement, il n'y avait rien de méchant, il a été logiquement maintenu à sa troisième place. David Thomas qui s'entend de mieux en mieux avec lui, un cheval qui avait également montré de la qualité, hein, l'hiver dernier, je crois, sur l'hippodrome de Vincennes, en courant vraiment face à une opposition de qualité. Donc un cheval qui me semble vraiment détenir une très belle chance. D'ailleurs, les 6 ans, hein, dans l'ensemble, détiennent une très belle chance. Vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'aînés au final, il n'y a que des 6 et des 7 ans, à part quelques concurrents, peut-être 3 ou 4, qui ont 8 et 9 ans. Le reste, c'est que des 6 et 7 ans, donc vraiment, pour le coup, je pense que ce concurrent de 6 ans a vraiment lui aussi une très belle carte à jouer, et pour moi, c'est également un très bon point d'appui. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 8, hein, King Cole, un concurrent de 7 ans qui est arrivé sur notre sol également cette année, hein, entraîné par la famille Martens. Alors, faut vraiment pas le condamner sur ses deux dernières sorties. La dernière fois, il s'est montré fautif, c'est pas dans ses habitudes. Et la fois précédente où il a arrêté, c'était un parcours de courte distance, et c'est pas un cheval qui aime les courtes distances, c'est vraiment un cheval de tenue. D'ailleurs, c'est celui qui détient le meilleur chrono, je crois, sur ce parcours en 1.12.9. Donc pour le coup, il y a pas mal d'atouts dans son jeu. On voit qu'il y a marqué Alexandre Abrivard, hein, qui est au sulky. Pour être honnête, je ne sais pas qui va être au sulky. On peut faire un tour sur le site du PMU pour regarder, parce que Alexandre Abrivard malheureusement a été victime d'un accident de camion samedi, et du coup il est sur la touche malheureusement. Donc faut voir qui va être. Je ne sais pas si le PMU a fait l'actualisation des jockeys pour tout vous dire. Mais en tout cas, on peut jeter un coup d'œil,
Mais quoi qu'il arrive, le cheval détient une première chance, hein. Quel que soit son driver. King Cole, Alexandre Abrivard. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de remplacement. Il faut dire que c'est pas tout de suite que la course va se dérouler. Toujours est-il que pour moi, en étant déféré des quatre pieds, c'est un concurrent qui détient une première chance et il est capable de tout faire durant le parcours. Il est aussi bien capable de prendre la tête que d'attendre. Donc pour moi, il a de la maniabilité. C'est aussi un atout à ce niveau de compétition et il est logiquement capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Raven Déjà Vu. Bah, écoutez, c'est un cheval qui fait preuve d'une régularité. J'ai retenu ce concurrent de 8 ans, surtout pour sa dernière performance. Sa dernière performance, il battait des chevaux comme Unico Broline, qu'on a vu à son avantage en début d'hiver sur notre sol. Il battait un certain Power, qui a couru de très bons lots également, notamment en France. Il battait également certaines lignes qu'on a vu également. Enfin voilà, il y a vraiment sa dernière course sur l'hippodrome, je crois que c'était à Solvalla, c'était en Suède en tout cas. Était vraiment très très bonne et sur la foi de cette sortie, je pense vraiment qu'on a oublié de lui accorder un large crédit. En plus, c'est un cheval qui est régulier, qui fait toutes ses courses, qui est aussi bien compétitif sur courte que sur longue distance. Alors voilà, c'est toujours pareil, faut voir ce que ça va donner pour son premier essai sur l'hippodrome de Vincennes, mais en tout cas, vu ce qu'il a montré dans son pays d'origine, je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le 14, hein, idée exceptionnelle. Lui aussi, c'est un concurrent qui débute sur notre sol. C'est assez difficile, hein, de le situer avec exactitude. Maintenant, c'est un cheval de 6 ans qui a autant de gains que les chevaux français. Moi, en général, je trouve que ce sont vraiment des signes de méfiance. Pourquoi? Parce que, en général, les récompenses, en tout cas les gains en Suède, sont en général un petit peu inférieurs. Du coup, le fait qu'il ait autant de gains que les Français, c'est certainement qu'il a couru de très bons lots. Il est bien engagé, il est déféré des quatre pieds. Confié à Björn Goop, pour moi, ce deuxième atout de Thomas Malmbis est vraiment capable de frapper fort pour ses premiers pas en France. En tout cas, je pense qu'il faut lui accorder une note de méfiance. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 7 Cool Chronos. On continue avec les étrangers, hein. C'est vrai que j'ai retenu deux Français en tête et derrière, pas mal d'étrangers. Cool Chronos, on le connaît, il est arrivé sur notre sol, c'était courant septembre. Il a montré de la qualité lui aussi. Malheureusement, il a terminé seulement 5e de la course référence le 17 décembre. On s'attendait à mieux de sa part. Regardez, il était proposé à 2,90 €. Du coup, voilà, cette sortie m'a un petit peu refroidi. C'est pour ça que je retiens seulement 7e position. Dernièrement, il s'est montré fautif au départ. Faut vraiment pas le condamner là-dessus. Hein. Bah, justement, c'était le prix de Vic-sur-Cerf derrière. Impérial Mabon était proposé à 12 contre 1. Vous le voyez, il était déjà un peu moins joué. Bon, le lot était un peu plus relevé. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a quand même besoin de nous rassurer un petit peu. Je pense qu'il est à peu près dans sa catégorie sans avoir une grosse marge de manœuvre. Mais en tout cas, il est capable de finir vite et ça peut peut-être suffire pour prendre une 4-5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 12, Hamilton Duham, qui reste sur de très belles tentatives. Je ne sais pas si on a une course référence avec lui. Hamilton Duham, il a couru des bons lots. Là, il a ses cadets, il a déjà couru face aux plus jeunes, mais le seul petit bémol, c'est qu'il est seulement plaqué des antérieurs. Alors, ça, c'est pas forcément rédhibitoire, hein. C'est un cheval qui a déjà bien fait dans cette configuration. Maintenant, il a bien fait dans cette configuration face à des oppositions peut-être un peu moins huppées. Donc, pour le coup, face à ses cadets et à des étrangers de qualité, il aurait été déféré des quatre pieds. Je l'aurais retenu sans doute au moins 4-5e. En étant seulement plaqué des antérieurs, je pense que ça peut être un peu plus compliqué de lutter pour les premières places. C'est pour ça que ce sera seulement le 8e de ma sélection. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Behind Bars, qui vient de s'imposer dans le sud-ouest. Je crois que c'était du côté de Bordeaux. Il revient sur l'hippodrome de Vincennes. Hein, c'était ouais, Bordeaux-Lobouska a pris René Expert le 17 décembre dernier. Donc la forme est là. Auparavant, il avait terminé 6e, hein, du prix des PMU de l'Île-de-France. C'était pas si mal que ça. J'ai l'impression que la piste de Vincennes, c'est moins facile pour lui. C'est un cheval qui a quand même de la tenue malgré tout, qui est confié à Franck Nivard, qui est déféré des quatre pieds. Voilà, c'est un regret de ma part, mais il n'est pas incapable de prendre une petite place à l'arrivée de ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10, Impérial Mabon, que j'ai retenu devant le numéro 15, Indy de Gire, pardon. En troisième position, le 13, Donizetti. Devant le numéro 8, King Cole. En cinquième position, le 4, Raven Déjà Vu. Devant le numéro 14, Idée Exceptionnelle. Le 7, Cool Chrono. C'est enfin en huitième position, le numéro 12, Hamilton Duham. En cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Behind Bars. En conseil de jeu, pour moi, le 10 Impérial Mabon et le 15 Indy de Gir, ce sont deux chevaux qui sont durs à la fore, qui ont certainement les moyens de monter de catégorie et qui me semblent capables de lutter pour la victoire. Et puis le 13 de Donizetti, qui s'est très bien comporté en dernier lieu dans l'une des courses références, pour moi, c'est également une très bonne base. Donc 10, 15 et 13,
J'invente rien, mais à mon avis, c'est ouvert. Faudra pas hésiter à en rajouter dans les champs réduits parce qu'il y a vraiment plusieurs concurrents qui sont capables de prendre une place à belle cote. On va faire un petit tour également du côté du prix de Belgique, hein, dernière épreuve qualificative qui a vu Isor Vedake s'imposer vraiment de peu, mais avec la manière, devant Inmar Rosa, très belle fin de course qui partage la deuxième place avec Gohan Boy, le numéro 9, Hussard du Landré, qui est encore dans le coup et qui a battu de très peu pour un accessit, et puis le 3, Canet de Banville, qui malheureusement n'a pas réussi à se qualifier pour le prix d'Amérique, qui termine seulement 5e. Du coup, les favoris hein, qui se taillent la part du lion, tiers écarté, quintet indiqué par nos deux rubriques, top prono et tour sélection, en plus de plusieurs coups de cœur, comme vous le voyez. Voilà, vous pouvez tester nos rubriques à partir de 1 € par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos avec pas mal d'informations et de modules pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Donc voilà, un deuxième lien également qui vaut le coup. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Cagnes, hein, comme je vous l'ai dit, avec des galopeurs, des poulains et des pouliches de 4 ans départ. D'ici là, on en reparlera, mais je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.